Salut, salut tout le monde, c'est Miss Lucie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Horizon Zero Dawn. Alors, déjà, je m'excuse du retard de l'épisode puisqu'il devait sortir dimanche dernier. Mais je n'ai pas pu en fait tourner l'épisode plus tôt et le monter beaucoup plus tôt pour des raisons personnelles. Et donc voilà, donc c'était un peu la dèche niveau épisode à ce moment-là, puisqu'il y avait absolument pas d'épisode du coup, et j'espère pouvoir le publier quand même pas trop en retard par rapport à d'habitude, genre le lundi ou le mardi, ce serait pas mal. Mais voilà, il arrivera bien quand il arrivera. Et voilà, donc aujourd'hui on va continuer la quête d'Ersa, puisque c'est... Il n'y a eu qu'un seul commentaire qui répondait à ma question de la dernière fois, savoir si vous souhaitiez qu'on continue plutôt la quête d'Ersa ou plutôt l'histoire principale, enfin vous savez, sauver Ersa ou tout simplement découvrir qui est la madré de Aloy. Et donc on m'a dit continue sur Ersa. Donc on va se diriger vers Ersa, on va juste attendre d'avoir un courant en fond. Et ça sera bon. Tu vas me faire chier celui-là, je pense. Donc on va se diriger tranquillou vers ça en espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes sur la route. Parce que bon, la dernière fois on a un peu croisé un oiseau tempête, voilà, dans des quêtes annexes j'en croise souvent. Sauf que c'est... je sais pas comment tu fais pour battre ces machines-là. Expliquez-moi comment battre les gros oiseaux là. Parce que, enfin, pas les petits, hein, mais les gros gros, avec une grande vie et tout. Parce que moi, à part un boss et tirer des flèches à gogo, je vois pas comment tu... Oh là là. Attends. What the fuck? Ah oui, ça c'est un gros machin que j'ai battu la dernière fois. Mais calmez-vous, je ne veux pas la guerre, hein. Viens poney. On y va. Moi j'en ai absolument rien à faire de ça. Allez. Allez, on monte. C'est sûrement Belvedere. L'agent de Marat doit déjà être sur la place du marché. Désolé mon petit. Les villes par contre se ressemblent toutes un petit peu, les villes, comment... Les villes dans les montagnes, je parle. Aucun signe du gars de Marad. Il a eu largement le temps d'enquêter. On ferait mieux de le chercher. T'as raison. Excusez-moi. On prend vite fait ce qui nous appartient. C'est-à-dire tout ce qui est caisse de ravitaillement, hein. Parce que bon, on va pas se gager, c'est un peu la vie. Ce salaud,
Alors, on va par ici. Ah, il va dans les petits recoins, le petit fourbe. Mais que fais-tu par terre? C'est sûrement l'agent de Marad. Les hommes de Derval ont dû l'avoir. Il avait peut-être trouvé quelque chose. Regarde ça. Je crois qu'il a dessiné une carte avec son sang. Ouais. Ce genre de carte, il vaut mieux les suivre. Ça pourrait être Belvédère. Il a marqué un point au nord. L'emplacement de Derval? Mes hommes attendent à l'extérieur. Je les récupère et je te rejoins. Hop, on va pas jouer. On va pas se gêner, pardon. Pour aller prendre toutes les petites caisses, hein, parce que... Ah ouais, en plus si on trouve des petits flambés, ça fait zizir. Je me demande si elle me laisserait. Je veux pas savoir ce que tu voulais dire en plus, hein. Une Nora, je me demande si elle me laisserait. Je veux pas savoir ce que t'allais dire. Alors, c'est bien parce que je voulais aller à côté. Voilà. Ah! Shit! Oh, c'est encore pire. Un oiseau tempête. Ah! Yamete kudasai. Et ben c'est de ça que je parlais. Ouais, les machines, elles ont du mal à passer. Hein. Donc la prochaine fois, vous évitez de faire des camps en hauteur, comme ça. Ce serait pas mal. Waouh! Pardon, reprendre. Avec la petite monture qui vient et qui se rebarre après. Les machines. On dirait qu'on les a enchaînées. Je suis pas celui à côté. Derval est bricoleur. Il fait sûrement des expériences sur elles, ou bien il les démonte. Je peux peut-être m'en servir pour semer la panique. Je passe devant. Attends ici que la bagarre commence. Très bien. On va te couvrir. C'est ça tes 150 hommes dont tu parlais, je sais pas quoi là? Tuer les assaillants et les machines. Mais est-ce que... En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que si je leur tire dedans, je peux les one-shot ou des trucs comme ça, en fait? On va déjà essayer d'éliminer le plus de bandes... Enfin, de... d'hommes possible. Comme ça, c'est parce que les machines, elles vont... Hein. Ça va être difficile, je pense. Les hommes de Derval. Ça va tourner au plus vite. J'espère bien. Ah! Ah!
Ok, ça c'est fait. Ensuite. Ah, merde, je me suis fait avoir. Attendez, s'il vous plaît, parce que... Alors, toi... Elle dit c'était violent. Oh. Bonjour la fille qui loupe 5 flèches là. Voilà. Eren, te fous pas juste devant moi. Il était beau se lancer. Il était beau ou il était pas beau? Moi je pense qu'il était beau. Ah non. Eh, Eren, on forme une bonne équipe, moi je pense. Est-ce que tu ne penses pas? Oh putain! Non, j'étais trop bien partie! Je vous nique tous! Je me suis fait avoir comme une grosse merde! Ah shit! Hop, ça déjà c'est fait, c'est pas mal! Et dites, j'ai pas le truc du ravageur là? Vous savez le son gros. Je ne suis pas là. Son gros bidule. Non, on n'a pas le droit. Pourquoi c'est forcément maintenant qu'on n'a pas le droit d'aller voir ça? Moi je voudrais bien savoir. Alors, je continue ma petite fouille. Parce qu'il faut pas se le cacher, on va quand même... Hein ? Sauf qu'il y en a qui ont des beaux trucs quand même. Hop. Hop.
dents de scie, mais lourdement armé. Super. Ah ! Je refuse de mourir encore ! Putain ! J'ai perdu trop de la vie à cause de toi ! Ah, je t'aime plus. Putain, je faisais toutes mes potions de santé. Ces abrutis pensaient vraiment pouvoir me vaincre. Alors, est-ce que j'ai besoin de te faire un replay de la tête que tu faisais quand j'évacue le ravageur ? Parce que c'est quand même un peu moi qui fais tout dans l'histoire. C'est pas tes potions de santé parce que là j'ai plus rien. Ersa ? Derval dit que tu dois mordre la poussière. Ouais, non. Tu me vois pas là ? On y va. Merde. J'ai congelé mon coéquipier. Pourquoi je peux pas en fabriquer? Merde, j'ai plus de canne de rivage. Oh non. J'ai plus de canne de rivage. Eren, ne meurs pas. Ça c'est pour toi. Ça doit être à l'intérieur. Il faut qu'on entre. Ah là, j'ai plus de vie. Je te cache pas que là... Ils doivent utiliser ça pour se protéger de cet horrible bruit. Attends, parce qu'avant je prends cette potion là. Putain, ça va me coûter cher à racheter des potions. Hein. Et est-ce que par tout hasard on ne peut pas fabriquer une potion justement? Comment on fait déjà? Artisanat, piège et potion, potion de santé. Si on peut en fabriquer, mais c'est parfait.
Parce que bon, bon, une, t'as exagéré. Mais bon, au moins on en a une, au cas où, tu vois. Erend, Derval a tenté de me briser. Il m'a montré ce qu'il savait. J'aurais dû être avec toi. Pourquoi tu m'as pas emmené? Je sais très bien que je suis qu'un pauvre ivrogne, mais... Non, idiot. J'ai reçu un message de Derval. Il demandait des pourparlers. Je t'ai pas prévenu parce que je savais que c'était un piège. Je voulais te protéger. Je pensais pas que ce piège serait si efficace. Je croyais pouvoir l'éliminer. Écoute-moi. Derval prévoit de frapper fort sur Méridian. Il a dit qu'il forcerait Avad à regarder la fumée obscurcir leur précieux soleil. Ton roi a besoin de toi. Finis de jouer maintenant. Tu dois prendre tes responsabilités. Très bien. Compte sur moi. Ne me déçois pas, petit frère. Oh non ! Ersa. Non, non, pitié. Je serai à la hauteur. Je te le jure. Erend. Je suis désolée. Il faut qu'on trouve Derval. Mais Méridion est immense. Je vais fouiller ses affaires. On trouvera peut-être des indices. Qu'a bien pu apprendre Derval en trafiquant ces machines? Est-ce que je veux le savoir? Je peux avoir une petite potion de soin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe si je l'allume? Je crois que ça fonctionne. Voilà. Allez. Allez, mes chéris, dites-moi quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et tu dis ce que tu veux. Je veux juste entendre votre voix et la garder plus tard. Papa, je chante. La 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 la. Un souvenir de sa famille. Pardon. Derval n'a plus rien à perdre. Ah si, il y a encore des choses à examiner. Bah. Des notes de fabrication. Et une lettre glissée entre les pages. De la flambée en direction de Méridian. Si on la trouve, on trouvera sans doute Derval. Eren ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Retournons au palais. Vas-y. Je te suivrai, mais je dois m'occuper de ma sœur. Eh ben mes cochons, on va devoir retourner à Méridian, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir refaire un peu le stock. Parce que là, honnêtement, ça devient un peu la dèche. On va pas se cacher. C'est-à-dire que j'ai un peu plus rien.
en fait. J'ai plus de canne de rivage, du coup j'ai plus de flèches de précision, j'ai plus de quoi faire des trucs. À part des flèches basiques et des flèches de feu, quoi. C'est la mort. Sinon, faudrait que j'aille au petit... Ouais, non, là, c'est juste... Ah, si, y a un marchand, là. Là, il m'étrache des trucs, quoi. Est-ce que j'ai encore mon poney? Oui, j'ai encore mon poney, très bien. Ah, pardon. Je pensais... Normalement, j'ai repris tout. Donc bon, écoutez, je pense que c'était un épisode assez long, parce que aussi je me suis failli là pas mal de fois. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Prochaine fois, on va se retourner à Méridian, je pense. Attendez qu'on regarde. Je pense qu'on va... Ou soit on va direct à la fin du cratère. Je pense que c'est bien d'aller à la fin du cratère et ensuite on ira à Méridian. Parce que bon, au niveau des... Je pense que ça doit s'effectuer à peu près en même temps dans l'histoire, par toute logique. Et donc, la prochaine fois, on va aller à la fin du créateur. Comme ça nous permettra vraiment de faire pas mal de choses. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde et bye bye!